Salut à tous les amis, je m'appelle William Bruno et voici ma nouvelle vidéo intitulée « Le sol est de la lave à l'école ». Après le troisième cours, nous avons donc eu des mathématiques et il reste encore deux cours. Mais la professeure a dit que nous pouvions rentrer chez nous. Mais celui qui pourra le faire sans toucher le sol gagnera, parce que le sol est de la lave. Mes amis et moi allons parcourir à tour de rôle tout ce parcours du combattant que je vois devant moi. Nous devrons sauter, esquiver et marcher sur nos mains. Si un joueur touche le sol, le tour passe au joueur suivant. Eh bien, celui qui réussira à tout passer pourra rentrer. Et c'est moi qui commence. D'accord les gars, je commence mon chemin vers la maison. Ma tâche consiste maintenant à me déplacer vers le bureau du prof. Et je vais me déplacer grâce aux fenêtres. Hop, hop. Alors, eh bien attention, l'essentiel de ne pas tomber à trop loin. Écoutez, j'ai un plan. Et hop. C'est de la triche. Ouais, c'est une astuce. Je vais l'utiliser aussi, moi. Au fait, les gars, vous savez comment je vais faire? Je vais voir comment se déroule le parcours pour Bruno. Et puis, je me souviendrai de tout et je reprendrai toutes les astuces. Hop. Hop. Putain. Hop. Bonjour, madame. Que faites-vous ici? C'est que on joue au sol, c'est de la lave. Je peux traverser comme ça? Ne marche pas par terre. Ah, désolé. Ouf. Me voilà déjà sur le saut. Puis plus loin, il y a des serpents. Allez Bruno! Ah! Ah! Oh putain! Ah waouh! Ouf! Ah! Ah! Maintenant, je dois sauter sur ce meuble. Ah! Alors, hop! Ah! Oh non, merde! Désolé, petite fleur. Oh. Et maintenant, il y a un mini-jeu. Voilà à quoi ça consiste. Il y a trois rangées de cartons devant moi et dans chaque rangée, il y a un qui ne tient pas mon poids. Et si j'échoue, alors grosso modo, je brûle dans la lave. Et ma tâche maintenant est de deviner les cartons qui tiennent mon poids. Hop. Oh mon dieu! Pardon, mais quand même, je suis resté sur mon carton. Allez, j'essaye d'avancer. Hop! En fait, vous voyez cette plateforme Lego? C'est un point de contrôle. Autrement dit, si je marche dessus, je sauvegarde ici et la prochaine fois, je démarre à partir de cet endroit. Hop! Oh putain! Ah, je suis tombé dans la lave en fait. Et le tour passe à Arishner. J'irai le plus loin, souvenez-vous. Et Bruno a laissé tomber Igor. Et ce n'est pas d'ailleurs du tout excusable. Oh! Oh! J'ai vu les astuces de Bruno, j'irai probablement aussi par là. Ah, les gars, regardez comme c'est beau ici. Alors, nous devons y retourner. Merci, cher opérateur. Alors, c'est fermé, hein? Ils voulaient me piéger, Bah oui, c'est pas faux. Pendant que le professeur est absent, on peut se promener autour de la table. Ça marche. Hop là. Hop. Donc, c'est pas si facile. Oh, oh. Du calme. Hop. L'essentiel ici, c'est la patience. Le sac d'Ogène, ah, c'est cassé, non? Désolé. Et pour que je... Oh, quelqu'un a déjà élevé Igor. Surtout, ne pas laisser tomber Igor. Hop. Il s'avère que j'ai perdu ou quoi? Bon ben les gars, voilà. Me voici quoi, c'est moi, ça fait 1, 2, 3, 4. Si quelque chose arrivait les gars, le directeur de l'école lui-même nous permettrait de sauter sur nos pupitres quoi alors mon dieu. Relevons ce défi, ça y est, je reviens sur l'ancien schéma, j'ai déjà regardé tout le monde. L'essentiel est que le gardien ne voit pas que je courais sur les toits quoi. Mais peu importe, ici on nous a laissé le temps de tourner cette vidéo en ce moment et hop, attention le saut. Ah. Allez ça pique, allez. Ça pique, tu es déjà sur le saut, il y a d'autres serpillères, alors ne va pas sur la boîte du milieu, elle tombe tout le temps quoi. Les gars, nous avons plutôt pris ces serpillères et ces sauts à notre Tamara Gennadina, hop. Ah, du coup, on aurait pu faire comme ça pendant tout le temps. Bon, mais t'as tout cassé ici là. Ah, c'est Bruno qui l'a cassé. Je peux le faire par ici ou par là, comme tu veux quoi. Bon, moi je peux faire un saut périlleux. Oh, oh non, mais franchement, c'est pas juste, mec. Tentative revient à William Bruno, les mecs. Ah bah, c'est à moi en fait. Alors, c'est parti. Oh, par ici sur le toit. Hop. Ensuite, le saut, ouf, et des serpillères cassées. Ah, ah, vous savez comment je vais faire? Comme ça, ouf. Alors, hop, hop, et puis nous avons encore une fois le meuble. Hop, et bien, j'ai gardé mon équilibre. Et voilà, encore ce mini-jeu recommence. Je vais essayer de prendre un autre chemin. Hop. Bon, je suis pas tombé. Là. À gauche ou à droite, les gars. C'est maintenant un moment très important. Je veux arriver au point de contrôle pour pouvoir repartir d'ici la prochaine fois. Hop, hop là. Et j'ai atteint la plateforme. Hop. Ah,
maintenant, je dois utiliser ce truc pour sauter jusqu'à ce banc. Oh. Wow. Oh putain, je vais devoir continuer sans mes chaussures. Alors, devant moi, il y a une piste de 3 mètres et je crois qu'elle est glissante. Ensuite, je devrais sauter là en essayant de ne pas briser le mur. Si je le casse, le participant suivant continue. Non. Wow. Oh, c'est impossible de prendre la vitesse. Ouais. Oh. Oh. Oh les gars, oh. J'ai atteint le deuxième point de contrôle. Alors devant moi, il y a des ballons, des bouteilles de Fanta. Alors, je vais essayer de parcourir. Ouf. Wow. Alors, bouteille après bouteille, encore des bouteilles. Ah bordel. Ah. Oh. Ah putain. Ouf. En fait, j'ai déjà suffisamment progressé pour être dans une position avantageuse. Si tu me soutiens, je te remercie. Alors maintenant, je dois sauter sur ce trampoline rempli de Lego. Oh mon dieu, je sais pas en fait, j'ai peur les gars, parce qu'il y a tant de Lego. Mince. Quand je marche sur une pièce, ça fait déjà très très mal. Mais là, de telle hauteur, sauter sur ce Lego... Oh, oh putain. Oh, ouf. Oh mon dieu. Ça me pique. Ah, regardez, j'ai trouvé un petit soldat. Bon, maintenant, je dois sauter sur ce tonneau. On dirait que je m'en suis sorti. Oh, putain. Merde, je me suis retrouvé dans la lave. J'ai fait le travail sur les erreurs. Hop, hop. Oh. C'est bien que cette fois la porte est ouverte et je puisse passer sans aucun problème. Encore une fois, mieux vaut pas prendre de risques. Hop, on descend là, comme ça, hop. Alors, hop, hop, hop. Igor, éloigne-toi. Oh, regardez ce que vous avez trouvé, les gars. On peut le déplacer un peu comme ceci pour prendre plus facile. Les gars, c'est dur de sauter parce que si je saute comme Bruno, je laisse tomber la fleur. Afin de ne pas laisser tomber la fleur, il faut procéder ainsi. Mais j'ai peur qu'elle rétrécisse car la table de chevet est surprenante. Hop, oh, hop. Alors, hop. Allons jusqu'au bout, les gars. Hop, oh. Bon. Hop. Alors, je reçois cette arme-là. D'accord, les gars. Maintenant, il y aura une astuce. C'est parti. Et voilà les gars, j'avais dit, c'est aussi simple que ça, retête sur ce truc pendant moi, pour 3 ans. Eh ben t'as perdu. Et je m'en fiche, j'ai une jambe ici et l'autre là. Et regarde mon dos, je ne suis pas tombé dans la lave. Bah essaie de te lever maintenant. Non, pour le moment, ça va m'aider. Et... Bon, alors, et c'est bon. Hop, les chaussures, juste comme ça, rassemblons ces choses. L'essentiel de ne pas toucher le sol, ok les gars. Oh mon dieu! Ouais! Oh, je n'avais le meilleur! Tu en as cassé un morceau là! Eh bien les gars, je pense qu'il faut juste mieux le coller, un imbécile tout mis en place, et voilà! Maintenant je vais vous montrer comment procéder, quoi, je pense que je serai le premier à réussir ce test, vous avez déjà vu ça? Regardez! Voilà, attendez, je vous montre, il n'est pas nécessaire de montrer comme ça, je pense que chacun de vous pourrait désormais traverser tout cela facilement si vous étiez à ma place! Oh voilà! Maintenant j'ai le choix quoi, mais ici tout le monde est déjà passé quoi, je suis seul à ne pas avoir réussi. Et quand les gars essayons de sauter alors... Merde, pauvre fleur les gars, bien pardonnez-moi, j'étais juste de rentrer à la maison. Ma mère m'a déjà appelé 2 fois, je lui ai dit que je réussirais. Bon mon dieu, pas grave, en voulant partant j'ai eu parcouru tous les cartons quoi, je vais y arriver les mecs, je vous assure. Oh, le frisson quoi, c'est ainsi qu'il faut procéder. Allez, je citais ou pas alors, j'ai une idée, voilà, attention. Maintenant les gars, regardez comment je me suis préparé pour ça. J'ai pris le manuel qui traînait sur notre table pour le poser. Ouais, oui, tout est en anglais. Mais je n'aime pas l'anglais, moi. Alors, attends, Debo. Là, me voilà, voilà. C'est bon, c'est tout, voilà, on continue. Ça, c'est bon, j'ai gagné, quoi, en fait. D'accord, Mano, attention, nous devons accélérer, quoi. Allez, c'est parti. Attention, alors, j'ai gagné ou pas, les gars? D'accord, alors je retourne au point de contrôle, quoi. Heureusement, j'ai pu atteindre ce point de contrôle et maintenant, je reprends d'ici. Donc, maintenant, les ballons, je voudrais déplacer celle-ci. Ah, j'aurais pas dû marcher dessus. Ah, hop, oh, oh,
comme ça. Ah, oh putain, je peux réessayer? Eh zut, bon d'accord. Ah, oh, oh, je suis prêt à tomber. Savik a déjà tout montré, donc je vais y aller rapidement. Bien sûr, je ne cherche pas la facilité, mais puisque c'est faisable, j'en profite. Ouh. Et puis il faut en sortir. C'est très difficile à faire. Oh, bon, la dernière fois, j'ai pas grimpé. Pour le moment, je vais essayer de sauter comme ça. Oh, les gars, regardez ma main. Ouais, je suis au point de contrôle. Ouh. Ça y est, j'ai laissé sa fille quelque part derrière moi. Je ne suis pas sûr de pouvoir m'en sortir. Eh ben, tu tiens bien le coup jusqu'à présent. J'ai passé les ballons, et maintenant c'est les bouteilles qui sont plus stables. Maintenant c'est la piscine, je saute, je rebondis, je saute sur un tonneau. Ensuite il faut essayer de s'allonger sur le pneu, puis sur les escaliers, et alors ce sera facile. Très bien alors. Les gars, je me lance dans le Lego maintenant. Ah, oh, mon nouveau t-shirt blanc, non, pas ça. Oh, là, il y a un tonneau plus petit. Alors... si quelqu'un passe derrière, je vais le resserrer là. Alors. Les gars, je vais gagner pour vous et pour vous, pour tous. Voilà, pour toi et pour toi. Alors, les gars, maintenant c'est mon tour quoi. Je saute sur le manuel d'anglais. Hop, je suis déjà là maintenant. J'ai même pas besoin d'enlever mes chaussures quoi, car j'ai tout enlevé la dernière fois. Bon sang, c'est une étape très difficile quand même. Bon sang, du café ou du thé à traverser. Ah, attends. Attends, je vais vous montrer, je vais sauter là, on va nettoyer plus tard quoi. Voilà, vous pensez hein? Pour l'instant je vais utiliser la technique d'Artyom. Je viens de me mettre mon sac à dos là, et maintenant, d'une manière ou d'une autre... Aïe, comment passer par ici? J'ai compris. Les gars, j'ai réussi, enfin ouais, c'est tout les gars, ça y est, je me reprends le contrôle, ça y est les gars, marchons sur les balles quoi, ensuite, attention, nous avons les plots, hop, fini. Les gars, j'ai presque perdu l'équilibre, c'était un peu difficile, mais je m'en suis sorti très vite, regardez maintenant, attention, je ne reste plus qu'à juge de paix quoi, trampoline avec des Legos, j'ai jamais vu Artyom ou William Bruno sauter de la même manière quoi, j'avais peur qu'ils s'enfoncent dans ma jambe, je vous assure quoi, attention, c'est prêt, voilà, hop. Bordel de mur! Fini les gars, l'essentiel est de croire en soi quoi! Presque foiré quoi! Maintenant je suis sur le tonneau là! Attention! Ah là là les gars, sur ce pneu jusqu'à présent, personne! Attention, voilà comment je vais y arriver là! Oh attends, je vais y arriver! Essayons putain, comme c'est difficile, oh putain! Non! Ça y est, qui est le prochain? Voilà! Alors attention, on va y arriver! Oh non! Putain, je vais encore tomber, c'est qui le prochain maintenant? Guillaume Bruno! Alors les gars, finalement c'est mon tour et le plus important c'est de passer ces ballons et après je me débrouillerai hein. Bon d'accord, on commence par celui-là, le ballon, Fanta et le coffre. Ah ouais! Ouh, oh. Eh bien ça allait pas mal, regardez cette petite bête. La dernière fois, j'ai échoué en essayant de passer ce tonneau. Je crois que ça y est. Ensuite, il y a un truc plus petit. Oh. Ah là, je suis à cheval. Et là, mes compétences ne me suffisent pas. Aucun des participants n'a encore pu aller aussi loin. Il y avait différentes tactiques. Il faut en choisir une. L'essentiel est de calmer ma respiration. Alors, gardez l'équilibre. Oh. Ah. Ben non, ça va, je suis tombé, et puis voilà, ouais. Eh bien alors Artyom, je te souhaite une bonne chance. Les gars, vous avez vu comment Bruno est tombé? En fait, c'est à la fois drôle et effrayant à regarder, car il s'est écrasé très violemment et il se repose maintenant. Je vais essayer tout de suite, juste comme ça. Je suis devenu ici, là, donc, eh bien, tout arrive assez vite pour moi. Donc, oh, je vais marcher à quatre pattes, c'est bon, je suis passé. Ok, là, d'accord. Hop, comme ça, là. Oh, les gars, ce trampoline m'a toujours fait peur. Bon. Oh. Ah. Ah. Les gars. Eh bien, pas spectaculaire, mais efficace, les gars. Ici, et comme Bruno est passé, je ne ferai pas comme lui.
Eh bien, parce qu'il est tombé très fort ici, et par conséquent, je passerai comme ça pique. Les gars, je vais y aller doucement. Attention, comme ça, avec la jambe, et marcher ici avec l'autre, puis la roue roulera d'elle-même. Et je vous l'ai dit, je suis plus intelligent. Je suis le roi de la colline, comme c'est effrayant. Ça fait vraiment peur. Oh, je ne... Tout sous contrôle. Les gars, regardez en bas. Il y a des pantoufles. Alors, pour l'instant, je vais le mettre sur une jambe. Hop, et... Allez, je mettrai mon pied gauche sur celle-ci, mon pied droit sur celle-ci. Je vais la tenir. Bref, vous verrez là-bas. Il y a une partie facile. Bon. Hop. Hop, hop. Ouais. Hop. Oh, merde. Oh, je me suis pas assis depuis longtemps. Hop, hop. Les gars, on dirait que je suis sur la ligne d'arrivée. Je vois Vlad à 4. Regardez comme c'est énorme. Alors, partons. Point de contrôle. Je suis tellement content pour lui. C'est moi qui suis arrivé le plus loin. Et voici la piscine et ses rouleaux. Et voilà ce qu'on peut faire. Alors, on enlève les pantoufles. On va passer par là maintenant. Comment je vais le faire? Je n'ai aucune idée. C'est toujours froid comme d'habitude, je veux pas. C'est froid. Le prochain sera Safik 1, 2, 3, 4. La, 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 ça y est, les gars, maintenant je vais passer par toutes les étapes pour la première fois. Regardez, c'est le professeur comme il se doit, tout ce truc, le sol et la lave. Ça permet de pratiquer toutes les compétences qu'on apprend en éducation physique, je vous assure, quoi. Donc si vous vivez l'expérience, quoi, le sol est en lave, quoi. Vous pouvez dire à votre professeur d'éducation physique ou à votre professeur d'éducation physique que c'est beaucoup plus utile. Bon sang, à quelle distance sont les autres bouteilles là-bas, bordel? Alors, on en prend encore une de plus. Comment ça tient le coup là? Attends. Oh. 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 Hop. Hop. Oh. J'avais vraiment envie de boire, mais je... Oh. C'est un beau cadeau quand même. Eh les gars, si quelqu'un sait de quel projet proviennent ces boîtes, quoi, écrivez dans les commentaires. Moi je le sais, quoi, mais personne, beaucoup de gens ne le savent pas. Oh. Oh bordel, il est passé par là et presque m'a gratté les... Là, ça m'a consommé. Oh. D'accord les gars, tous, déjà, attention, oh, oh, j'ai failli tomber, quoi, j'ai besoin que ça trouve de la fortune, roule vers moi en utilisant la technologie d'Artyom Arisniev. Attention, il a dit quelque chose pour lever la jambe, pas pour lever, ah, il me semble avoir compris sa technique, attention, oh, 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 putain de merde les gars, c'est super dur, quoi. J'ai pas touché, regardez où se trouve la jambe, je l'ai même pas bougé, quoi, elle est à l'intérieur, c'est une chute, mais c'est une chute sans perdre en fait. Une sorte d'arrière, les gars, je sais pas, ouais. Si tu soulèves comme ça, elle te fait perdre beaucoup de force, je te jure. Attention, toi, c'est une victoire avec ma propre force. Les gars, c'est presque fini. L'échelle est déjà là, quoi. Oh, allez, oh, oh, les gars, il devrait y avoir une sorte de point de contrôle. Oh. Ah, c'est bon, donc, viennent ensuite les pantoufles. Une pantoufle, ouais, deuxième pantoufle, couleur jaune. Si c'est le cas, la première jambe est pensée. Voilà, hop, un premier code, hop, à la deuxième code, garde notre équilibre, wow, les gars, ce qui reste, c'est des trucs élémentaires, pas des tas de vêtements, là, wow, alors, oh, j'ai sauté dans ma lambeau, et maintenant je suis en route, quoi, ouais, au point de contrôle, c'est parti, oh, les gars, avez-vous déjà vu un Vlad à 4 en aussi bonne santé, quoi, regardez, ça y est, j'ai surtout besoin de toucher, oh, attention, oh, enfin. Alors c'est fini, j'ai fini les gars, j'ai mis ces patins à roulette magique, c'est une étape très difficile parce que comme Artyom l'a dit, l'eau est dans telle piscine est super froide quoi. Mais cela a un effet révigorant. L'essentiel les gars est de ne pas détourner votre attention vers autre chose quoi. Par exemple, ce morceau de bois quoi là, et c'est tout. Alors les gars, on roule. Hop hop hop, ici presque fini déjà un peu pour ça, ouais. Oh, j'en suis, oh, oh. Oh putain, j'ai flair quand même, j'ai peur là. Non, un petit peu aussi surtout. Oh, c'est bon. Ah, j'ai emprunté ce chemin de merde. Putain de merde les gars, c'était vraiment dur. Oh putain les gars, maintenant je vis ces choses et je... voilà, franchement, il était trop fort quoi. Mais bon, maintenant je vais faire autre chose, je vais enlever ça quoi. Dieu merci quoi, franchement. Quand j'étais gamin, j'avais ces mêmes anneaux dans mon jardin quoi. Tout un terrain de jeu. Et je volais de l'un à l'autre comme un singe quoi, comme ça. Alors maintenant, ce sera plus simple pour moi. Merde les gars, je sais pas...
Attends, ça se pose comment là? Franchement, que comment faire quoi? Comment je puisse m'y agripper? Ok, les gars, je vais sauter. Que je peux faire d'autre quoi? Attention, ouais. Hop, hop, oh bon. Oh mon dieu. Attrape-le, hop. Indiana Jones est dans le bâtiment. Ouh. Oh mon sang, j'ai bougé là. Les gars, comment c'est arrivé? Bon sang, pourquoi les anneaux pompent-ils si bas quoi? Oh, il reste presque un petit peu les gars, c'est nul. Bon allez, je vais ensuite à William Renault. Pour le moment, les gars ont presque atteint le dernier point de contrôle. Et moi, je suis toujours là. Il faut maintenant surmonter chaque obstacle avec le plus grand soin possible. Hop là! Alors, c'est une bouteille, puis une autre. On marche sur Fanta comme sur des roulettes. Oh, ça y est. Là, je crois que Safik m'a laissé un peu de Fanta. Oh mince, encore des Lego. Wow! Oh! Alors, le tonneau. Oh, c'est bon, j'ai pas mal avancé. Alors, j'ai appris ma leçon et j'ai vu les autres gars passer, donc je vais m'en tenir à leur tactique. Il me semble que mes jambes sont plus courtes que celles des gars, donc je peux à peine atteindre ça. Selon vous, quel est l'obstacle le plus difficile? Je vous demande d'écrire dans les commentaires, s'il vous plaît. Pour moi, pour l'instant, c'est cette roue. On avance un petit peu, lentement mais sûrement, on avance. Oh, oh. S'il n'y avait pas eu d'escalier ici, j'aurais encore perdu. Oh, oh là, aïe, l'escalier est bancal. Alors, on descend prudemment. Ouf, c'était un peu flippant. Je dois prendre la claquette. Ah, j'en ai pris une. Oh, maintenant la deuxième. Alors là, elle est conne. Le mur. Attention, alors j'ai presque atteint... la voiture. Hop, déplace-toi. Ouf. Oh putain. Ouf, ça y est. Bim bim. On y va, on y va, on y va, on y va. Non, comment se fait-il? Oh. Oh, ouf. Ah, oh, ça y est, finalement, j'ai vu Vladik et je peux atteindre le poste de contrôle. Ouf. Maintenant, j'ai aussi la possibilité de faire du rollers entre deux piscines remplies de glace, l'eau est froide, quoi. Alors, je les ai mis, c'est bon, une jambe, puis l'autre. Hop, alors là, il n'y a pas assez de place sur cette planche. Alors, je dois faire en sorte que je ne glisse pas quand je commencerai à rouler sur cette planche. Alors... dès la première fois, ça roule, ça roule. Eh bien, tu vas le faire du premier coup. Ça roule. Encore, encore un peu. Oh, 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 oh merde. Eh bien, l'essentiel, c'est que je suis pas dans la lave, hein. Sinon, j'aurais complètement brûlé dans la lave. Et là, j'ai juste froid. Artem, à ton tour. Mon uniforme scolaire a été mouillé, donc je suis un peu sali. Mais pour mon objectif est de s'en sortir. Oh, eh bien, les gars. Ah, et voilà. Cliquez pour qu'il passe comme ça, donnez-lui un like. Et les gars, merci à tous ceux qui ont cliqué sur ce bouton rouge d'abonnement.